nous sommes dans une zone, celle que nous avons définie, où nous avons estimé qu'il y avait un besoin d'aide humanitaire immédiat et urgent. Cette zone, vous la connaissez, elle a pour axe principal Kibouye, Jikongoro et vers le sud, pour fermer ce triangle, Siangugu. Bon, il est clair que là, nous avons un effort d'aide humanitaire considérable que nous ne pourrons pas mener tout seuls. Il est bien entendu que nous attendons avec la plus grande impatience l'aide des organisations humanitaires et que je ne doute pas qu'à un moment ou un autre, elles viennent. J'espère simplement que ce sera assez vite et assez tôt pour répondre aux besoins qui de plus en plus se font jour, alors que nous avons ramené une certaine sécurité dans cette zone. Ce que nous souhaitons, c'est que le relais soit pris rapidement par ces organisations humanitaires dans l'attente de l'arrivée de la MINUAR. Non, mais la MINU... Non, vous avez noté comme nous que les milices, là où nous sommes, cessent de plus en plus leur activité et en particulier lèvent les barrages qui étaient très nombreux. Ce que nous, nous souhaitons, c'est qu'à l'intérieur de cette zone, il n'y ait pas d'éléments armés, quelle que soit leur origine, qui pénètrent. De la même façon, nous ne souhaitons pas qu'à l'intérieur de cette zone, des mouvements importants de troupes soient organisés.